Yo, what's up guys, it's Dee, welcome to another Gauntlet video. I'm a member of Thrax, one of the top guild in the round right now, and I will show you the run we did for level 506. We are in Vitality levels now, that means we have to break every part of a behemoth before killing it. Now imagine fighting the worst Radiant mobs, I don't want to do it. Toxic Shields and Last Stand are also active in this one, that means we have to be very careful and not get hit. But let's talk about the builds and strategy. We keep running Relentless Rush to get extra damage, attack speed and movement speed. This strategy is so good to abuse of a new Impulse meta and get insane critical damage. I explain this meta in every of my videos. If you want to know more about it, there is a link in the description. But if you check my build, there is no Impulse or Relentless here. My build is made to give wounds for my teammates. Since we are in a high vitality levels, I use Merciless so the parts wounded last longer. Keep in mind Merciless buff wounds for the entire team so we have enough time to break parts. Then I use Acidic plus 3 on Inside Tonic to get wounds as fast as possible so we can keep breaking and breaking. The entire squad use Shroudbound on Revenant to get extra damage, while I'm using Artificer to give another damage buff. Also, everyone use Pongar Lantern so we can freeze them all. On my side, since I am not low on health, I use Riftstalker Bond to get that sweet 25% bonus damage. I hope you enjoyed the video and I will post more in the next days, cause trust me, there is more hard levels to do in Gauntlet. Attention. Quand il est muti par contre il fout le stun, il n'avait pas le temps de se relever. Ça fait bizarre de voir un Alira qui lève même pas la tête. Les ailes ça va, ça brique vite normalement. Ça devrait aller. C'est la queue qui a break. Ouais, ouais, c'est la queue. Il y a un truc qui m'a poussé, je sais pas ce que c'était. Il manque les pattes arrière. C'est plus chiant mais ça passe, on l'a fait tout à l'heure. Tonix. Ah bien vu. Putain c'était même pas fini que... Nice, nice. What? On l'a pas tout break. Mais t'as vu, ça marche beaucoup mieux là, j'ai désactivé les dégâts, ça meurt instant. Hein. C'est peut-être parce que c'est moi l'hôte. Pour le coup, ça fait pas de les ça fait pas bizarre de désactiver les dégâts puisque on les voit pas dans tous ouais, les cas. Ouais, ça change rien. Voilà. Ça fait juste du bien à nos FPS. Ouais. C'est vous entre sur l'épaule. Ouais, entre les deux. Alors attends, je vais continuer à taper la tête parce que normalement on a le break de des cornes et des têtes. C'était de la savage. C'est quoi qu'il y a break là? C'est la. Je sais pas, on verra. C'est la tête ou... J'arrive pas à mitiger, y'a pas derrière. Ok, la queue est break. Là, ça mutie en 2-2. Parce que les focus de sa patch, il doit être compliqué. Exactement, j'ai réussi à mutiner les deux pattes arrière.
pense qu'il manque une patte de l'autre côté. Oh, mais MDR. Ah bah il se heal. Je pense que la patte avant de l'autre côté on l'a eu. Si c'est une patte qui manque de l'autre côté, c'est la patte arrière. T'as sûrement raison, il n'y a aucune cicatrice sur la patte arrière du côté où on frappe. Je sais pas si elle a pété ou pas. Tonix. Ouais. Mais il se attends, heal, il vient de se mutiler. Il est full bugué gros. L'autre patte là, elle vient de se mutiler. Ouais, parce que j'avais pas réussi à la muti. Ça doit être mes coups de lance qui passent à travers. Qu'est-ce qu'il fait, regarde? What is he doing, bro? Essaye de se mettre de la vie. Ouais, mais on est pas out of map, tu vois. Putain, ces pattes arrière, elles sont relou. What the fuck? What the fuck? Break. Break, please, break. Ciao, ciao. Wall? Ah, y'a pas de wall, mais je pouvais mettre mon artificier au sol pour éviter les boules. Voilà. Il a plus son. Attention. Oh merde. J'essaie de faire un petit break stylé. Ça veut pas break, hein. On a pété la tête, tu penses? Je pense que ouais, mais à la fois. Aucune cicatrice sur la patte arrière. Fais attention. Ouais, je suis d'accord. Pourtant, on les voit bien sur les pattes avant. Et bien vu. Vas-y, moi je dépasse sa tête. Continue sur les pattes arrière. On voit aucune trace sur les pattes arrière. Mais si ça se break, c'est pas possible. Ça se break, hein, oui, clairement. Tout à l'heure aussi on en avait. Normalement il y a un tout petit peu de cicatrice quand ça break, c'est très léger. C'était la tête. Ok. Je pense que c'était la tête. Are you Zachary on left? Left? Sorry, left. We save Forge for Boris. Bon, Zachary, ça va être facile. It's gonna be easy. Il a 7 break parfait. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on fasse les 7? Probablement. Est-ce que les... C'est quoi qui a break là? C'est les petites pattes qui ont break c'est à la fin? Tête et grande patte. Ah, grande patte. Focus baby leg and tail at the same time. Focus tail. Focus le bout de la queue. Il y a un break pass normalement sur la perle. What? Mais dis pas que c'est stage jam, stage jam. C'est la queue qui a pété. Ok, c'est muti. Mais attends, elle a pété là, non? Non, elle a pas pété elle. Elle va péter là. Voilà. Ok. Ça, c'est la partie qui break le plus vite en plus. Focus arm. Nice. Tonix, yes. Boreus, take forge and we refill at the end for Chronovore. Boom 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 boom. Take forge. Oh shit. La QMT. What the fuck. Focus tail. C'était Mero, il entend ou pas? Ok, nice. Il est dans la bac? Non, il est pas là. On va le déboîter.
Ok, je mutilise où? Ça, toi. Borus, sa tête et sa corne ou. Il a tête et corne aussi? Ah, c'est rien. J'ai jamais fait gaffe à ça. Je crois que sa tête c'est en même temps sa corne, mais je suis pas sûr. Ah ouais, putain. Je reste. Le problème de lui c'est que quand il se stack comme ça on peut pas toucher la patte en haut. Ouais. Oh merde, I'm dead. Oh le fils de pute. Oh ça y est. Putain. T'es chiant avec ces patterns de merde lui. T'as ton artificier. Ouais. Tonix ? Tonix. Ok, it's wounded. Oh, nice. What the fuck? Nice, go refill. Ouais, le temps qu'il spawn. Ouais, go refill. Nice. Bon, j'ai wound un truc, mais wow. Je sais pas ce que c'est. C'est les tentacules. De toute façon, on est à la lance, on va tourner code P autour de lui tout le long, les tentacules vont forcément péter. Yes. Ça, c'est les tentacules. Artificier on tail. Oh shit. Ah, wouah. Instant. Ouais. Tail okay. Is broken. Tonix soon. Tonix. Je sais pas ce qu'il y a break, je mets mon artificier au pif. Hein. Moi je verrai ce qu'il y a break. Ah, c'est tentacule. Soit c'est tentacule ou tête, mais je pense plus tentacule. Dodge. Ah ouais. Ah. J'essaye de voir sur la map est-ce qu'il y a ces tentacules au sol, mais je suis pas sûr du coup. On peut voir ça? Ah oui, on peut voir. Ouais. Ça va break si, dessus. Les tentacules sont tombés. Oups. Ou si. Je revive. I revive. Oh nice. Je crois que c'est la tête là. Ouais, c'est la tête. Ou une aile peut-être. Two wings and tentacles. Ça c'est un truc de la tête. Ah oh merde, j'ai mis mon artificier derrière. Oh non. Putain, j'essaie de le stack juste après en même temps là, d'habitude. Donc. Il a pas reçu. Je reste. Il a reçu avant. Pour le coup, je suis pas sûr. Il y a one wing I didn't wound. Get another one swim. Come on. Nice. Okay. What? We didn't have to break everything. On avait pas besoin de tout break sur lui? Non. Apparemment. Il y avait. Good job, guys.